de la Dame de Pierre, à Paris, il y a, étendu sur son île civière, entre ses deux beffrois, une lave en fusion, un cratère qui provoque l'effroi de ses yeux interdits qui espèrent et nous laissent sans voix. Dans la chaire de la Dame de France, à Paris, il y a une semaine sainte qui commence quelque part sous les toits, et de lourdes larmes dans les lances qui aspergent une croix qui se dresse en indolent silence au milieu des gravats. Au chevet de la Dame de Pierre, à Paris, il y a, face au rire narquois des chimères, le sanglot des sans-voix qui mendient dans leur humble prière un miracle, un éclat, une flèche d'ardent sa lumière vers des nues d'au-delà. À Paris, il y a la tendresse d'un peuple en souffrance qui lui offre ses bras et du baume fleurant l'espérance au-delà des pourquoi, une prise ténue de conscience sur le fil du rachat.